21h sur BFM TV. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est une soirée en deux parties. D'abord les reportages, ensuite le débat. Et je vous donne d'ailleurs l'information de la soirée. C'est une information BFM TV. Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin prochain, sauf avis contraire du Conseil scientifique. Le Premier ministre devrait l'annoncer demain. On savait hier qu'il y avait deux options à la date du 28 juin ou alors janvier 2021. C'était ce que Édouard Philippe avait déclaré hier au chef de parti. Eh bien, c'est le 28 juin qui l'emporte, sauf avis contraire du Conseil scientifique. On y reviendra longuement à 22h. D'abord, place au reportage. Nous commençons cette soirée à l'Élysée, puisque pendant un mois et à plusieurs reprises, pendant le confinement, nos équipes ont pu y filmer les réunions stratégiques et surtout interviewer le président de la République. Ses propos, d'ailleurs, sur la gestion des masques ont depuis fait beaucoup réagir. Un document signé des équipes de Ligne Rouge, Pauline Revenat, Baptiste Keïta, Étienne Grelet, Régis Desconclois, Quentin Bollier, Alexandre Funel. C'est l'heure du deuxième reportage. Vous venez d'entendre le président qui dit sur les masques « Nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, des tensions. C'est ce qu'il faudra regarder pour le corriger et prévenir. » Les autorités ont-elles menti aux Français pour cacher la pénurie? Masques, les coulisses d'un fiasco. C'est une enquête signée Marie Perrault, Benoît Sarrade, Fanny Morel, Quentin Bollier et Florian Soyer.